Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présenterons la famille d'Armand Duplantis. Armand Duplantis, souvent surnommé Mondo Duplantis, est un athlète américano-suédois spécialiste du saut à la perche, né le 10 novembre 1999 à Lafayette, en Louisiane. Possédant la double nationalité, il a choisi de représenter la Suède lors des compétitions internationales. Armand Duplantis est reconnu pour sa technique exceptionnelle, sa vitesse et sa puissance. Son approche unique du saut à la perche, combinée à une grande flexibilité et à un excellent timing, lui permet de réaliser des performances impressionnantes. Il est également connu pour son mental fort et sa capacité à gérer la pression lors des compétitions. Né dans une famille d'athlètes, il commence la perche à seulement 4 ans au domicile familial. Duplantis se distingue rapidement dans Il est détenteur du record du monde junior avec un saut à 5,90 mètres. En juillet 2018, il remporte le titre de champion du monde junior à Tampere, en Finlande, avec un saut à 5,82 mètres, établissant un nouveau record des championnats. Le 12 août 2018, Armand Duplantis participe à la finale des championnats d'Europe de Berlin. Parmi les favoris pour monter sur le podium, le Suédois réalise alors une incroyable performance, en remportant la médaille d'or à 18 ans, devenant le plus jeune champion d'Europe dans tout type de concours, avec un dernier saut à 6,05 mètres, dans ce qui est le concours le plus élevé de l'histoire. Grâce à ses performances, il est nommé « Révélation de l'année 2018 » par l'IAF. Il remporte la médaille d'argent aux Mondiaux de Doha en 2019. Depuis 2020, il a remporté tous les tournois auxquels il a participé, amassant 15 médailles d'or, comprenant des championnats du monde, d'Europe, ainsi que 2 médailles d'or olympiques aux JO de Tokyo 2021. Et Paris 2024. À Paris, il améliore son record en franchissant la barre placée à 6,25 mètres. Au plan individuel, il remporte le trophée World Athletics de l'athlète de l'année, en 2020, 2022 et 2023. Le trophée Track and Field News de l'athlète de l'année en 2020. Le trophée de l'athlète européen de l'année en 2022. Élu sportif de l'année par Eurosport en 2022. En dehors de la compétition, Duplantis est actif sur les réseaux sociaux et partage sa passion pour l'athlétisme avec ses fans. Il est également impliqué dans des initiatives visant à promouvoir le sport auprès des jeunes. Armand Duplantis est considéré comme l'un des plus grands perchistes de l'histoire. Avec plusieurs records du monde à son actif et une carrière prometteuse, il continue à inspirer de nombreux jeunes athlètes à travers le monde. Sa détermination, son talent et son engagement envers l'athlétisme font de lui une figure emblématique du sport moderne.
Duplantis a révélé que son modèle était Renaud Lavillenie, pour qui il a beaucoup d'admiration. Voici ce qu'il disait à son sujet. J'aimais sa façon de sauter à la perche. J'ai toujours voulu sauter comme lui. Avoir un modèle, ou juste quelqu'un à admirer, à imiter, auquel on veut ressembler, c'est indescriptible. Cela a mis du feu dans le cœur d'un petit enfant. J'espère être auprès d'enfants qui commencent la perche, ce que tu as pu représenter quand j'étais plus jeune. A-t-il déclaré. Et le respect entre les deux athlètes est mutuel car le perchiste français est très fier du nouveau roi de la discipline. Armand Duplantis est le fils de Greg Duplantis. C'est un ancien perchiste américain. Sa mère se nomme Elena. Elle était une heptathlète et volleyeuse suédoise. En raison de ses origines et de son environnement familial, Armand commence à pratiquer le saut à la perche dès son plus jeune âge. Américain ayant des ancêtres français, canadiens et finlandais, il opte en 2015 pour la nationalité suédoise de sa mère avant ses premières compétitions internationales. Les parents d'Armand sont un soutien et un appui fondamental pour lui et le guide dans sa carrière. Ils sont ses coachs. Le père supervise la technique et la mère veille à la préparation physique du prodige. Ils n'ont jamais été directifs, ils lui ont toujours laissé faire les choix qu'il pensait le mieux pour lui tout en le conseillant. Ils sont toujours auprès de lui partout où il est en compétition pour le pousser à la victoire et ils sont très fiers de lui. Armand Duplantis parle toujours des bienfaits que ses géniteurs lui apportent et continuent d'apporter dans sa vie. Il les considère comme ses héros. Armand Duplantis a deux frères aînés, et une petite sœur qui sont tous athlètes comme lui. Andreas Duplantis. Il a représenté la Suède aux Mondiaux juniors en 2009, avant d'arrêter le haut niveau. Antoine Duplantis. C'est un joueur de baseball reconnu aux New York Mets, après avoir été l'un des meilleurs universitaires. Johanna Duplantis. Elle pratique aussi le sport familial favori, la perche. Armand est très proche de sa fratrie, qui est toujours présente pour l'encourager et l'inciter au succès.
Côté sentimental, Armand Duplantis est en couple depuis 2020, avec Desire England. Elle aussi est suédoise et elle fédère, dans son pays, des millions d'abonnés. Elle est en effet une star des réseaux sociaux. Elle est mannequin et influenceuse. Le couple s'est rencontré pour la première fois lors d'une soirée à Stockholm. Depuis, c'est l'amour fou. Desire England accompagne d'ailleurs très souvent le perchiste lors de ses compétitions, et partage régulièrement des photos avec lui sur Instagram. Ils sont très amoureux, et vivent leur histoire avec passion et dévotion.